Grand-mère, donne-nous l'esprit ou là, l'esprit pour tout prendre tes bails à potio, joue la bonne côte là. Première lecture que nous gagnons pour troisième semaine de Pâques Noires, sortie dans le livre Travail à potio, chapitre 9, c'est 20 premiers versets. Nan jou sa yo, sol bo pali pat suspann menase touye disip seye yo. La jwenn gran pwèt la, li mandel let otorizasyon pou tout sinagòg ki nan la vil Damas. Kon sa, tout moun ki ta li ta jwenn kap suiv chemen bon Diyo a, fam kou gason, li te ka arete yo. Mare yo mene yo Jerizalem. Antan te sou route la, pou et pou rive la vil Damas, li rete kon sa yon limye soti nan siel la, li klere tout kote l te ye ya. Sol tombe a te, epi l tande yon vwa ki di li, Sol, Sol, pou ki sa wap persekite mwen kon sa? Li repon, Ki moun ou ye, met? Vwa repon li. Mwen se Jezu, moun wap persekute ya. Leve, entre la vil la. Se la ya di ou, gen, se la ya di ou sa ou gen pou fe. Moun ki tap voyaje ansanmak sol yo, te rete san di yon mou. Yo te tande vwa byen kle, men yo pa twe peson. Sol leve a te a, li louvri jel, men li pat kapab wè anyen. Yo pran mel, yo menel la vil Damas. Li rete la 3 jou san wè, san manje, san bwè. Nan la vil Damas te gen yon disip ki te rele Ananias. Seye aparèt devan nan yon vizyon. Li rele li. Ananias. Ananias repon. Men mwen seye. Seye a di li. Leve. Kounye a ale nan ri dwat la, la kay jida. Mande pou yon nom yore le sol, moun la vil tas. La pla priye kote liye ya. Li fe yon vizyon. Li wè yon nom yore le Ananias entre vin mete men sou tèt li pou l kapab wè anko. Ananias repon, Seye, mwen tande nan bouch an pil moun kantite mechansete li fe moun pa ou yo pase la vil Jerizalem. Epi tou, Li vin isit la ak pouvoi pou l'arete denye moun kap rele nan ou. Se chef pwèt yo menm ki bal pouvoi sa. Men, seye a di li, ale, paske nom sa mwen chwazil pou servi mwen, pou l'fè tout moun konen nan mwen. Moun lot nasyon yo, ak tout vwa yo ansanm ak pep Izrael la. Mwen menm m'a montre l tout sa li gen pou l soufri pou mwen. Ananias ale, li antre nan kay la, li mete menl sou tèt sol, li di li. Sol, frè mwen, Seye Jezi voye m kote ou. Se li menm ki te paret devan ou sou gran chimen an, le ou tap vini an. Li voyem pou ou ka wè anko pou vin an ba pou vwa Saint-Esprit. Menm le a, bagay tankou kal poason sot tombe nan je sol, epi lo wè anko,
sol levé, li recevoir baptême, après ça, li manger et puis il vinn gen force encore. Sol rete passé quelques jours encore ak disciple qui était Damasio. Même là à tout, li commencé bay message là dans synagogue yo. Li tap fè moun yo konnen Jésus c'est petit bon Dieu ya. Ça c'est parole grand maître là qui gagne tout pouvoir. Merci bon Dieu, merci. Réponse somme c'est somme 16 entre parenthèses 117. Réponse somme c'est somme 116 entre parenthèses 117. Comme réponse, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile, louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile. Allez dans proclamez l'évangile. Évangile nous gagnons pour troisième semaine, Pascal Noir. C'est évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Chapitre 6, prenant verset 52, arrivé dans verset 59. Jean, chapitre 6, versets 52 à 59. Sous guitare, chantez sous tout instrument, chantez sous trompette à cône. Alléluia, alléluia. Devant grand maître là qui roi. Alléluia, alléluia. Peace.
Mais bonne nouvelle, Jésus cria d'après Jean qui saint. Laisse ça. Parole sa yo fait juif yo tombe diskite yon ak lot. Yo tap mande. Koman nom sa kapab ban nou kol pou manje? Jésus di yo, sa map di nou la, c'est vrai oui. Si nou pa manje kom moun bon Dieu voye nan la chair. Si nou pa bwè san li, nou pa gen la vi nan nou. Moun ki manje kwa mwen, ki bwè san mwen, li gen la vi ki pa jam fini. Men gen moun ki fèl leve soti vivan nan la mò nan denye jou yo. Nan denye jou a. Paske kòm se yon manje tout bon, san mwen, se yon boisson tout bon. Moun ki manje kom, ki bwe sam, yap fè yon avèm, epi map fè yon avè yo tou. Papa ki voye mla, li vivan, se li mèm ki ban mla vi. Kon sa, tout moun ki manje m, ma bayo la vi. Mè, pen ki desan sot nan siel la, li patan kou pen zansèt nou yo te manje a paske pen yo a pat empêche yo mouri. Moun ki manje pen sa viv pou tout tan. Jésus te di parol sa yo an tan te nan sinagog Kafanaòm la ap montre moun yo en pile bagay. An nou fè louange ak compliment pou parol grand met la. Louange pou Seigneur Jésus. Bonjour et bonsoir à tout le monde qui est branché sur Radio Transfiguration. Et bienvenue dans la troisième partie émission Réveil Matinal. Troisième partie, côté nous allons faire réflexion à partir de lecture et de l'évangile journée aujourd'hui, qui c'est vendredi de la troisième semaine du temps pascal. Journée aujourd'hui, qui c'est vendredi de la troisième semaine du temps pascal. Et pour vous-même qui faites brancher, quel que soit à côté nous brancher, appareils électroniques, réseaux sociaux, nous pourrons rappeler nos références bibliques en harmonie avec la liturgie. Journée aujourd'hui, que ce nous, c'est à votre notion de sorte lire pour nous. Première lecture, là, l'idée prend le livre. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1 à 20. Réponse somme, non, c'est somme 116, entre parenthèses 117. Et l'évangile, là, c'est l'évangile selon Saint Jean. Chapitre 6, verset 52 à 59. Évangile selon Saint Jean, chapitre 6, verset 52 à
59. Mes frères et sœurs, avant de commencer notre réflexion, prions notre Seigneur, notre Dieu. Demandons la force, demandons la sagesse, demandons l'humilité, demandons la présence de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, de façon à parler l'enseignement de Jésus-Christ capable de toucher les cœurs. Nous prions ainsi par son Saint-Nom, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, l'Évangile nous met au cœur de la messe. Je reprends. L'Évangile nous met au cœur de la messe. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Au cœur de la messe, au cœur de l'Eucharistie. Nous dit que nous sommes au cœur de la messe, c'est parce que depuis quelques jours, on a parlé de l'évolution pain, comment pain évolue ensemble avec nous-mêmes. Et je dis, hein, pain ça, nourriture ça, ça que Jésus lui-même l'a banoué, il y a l'autre niveau, il y a l'autre dimension qui est ajoutée. Mon sang est la vraie boisson. Depuis quelque temps, ne pas déjà m'entendre, mon sang, le sang, t'est répété. Depuis quelque temps, c'est le pain que nous t'es mangé dans le désert, la manne que nous t'es mangé. Hein? Depuis quelque temps, c'est comme ça que nous t'étions en délire. Pain qui sortit dans le ciel là. C'est ça que nous attendons depuis quelques jours. Mais je vous dis, il y a mon sang qui est la vraie boisson. C'est-à-dire que nous avons ajouté, Jésus a ajouté, nous avons un complément, nous avons un qui vient encore. Qui est le sang de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi moi dis que nous sommes au cœur de la messe. Quand nous dit la messe qui vient de Missa, Missa, qui veut dire que ce thème que ils ont utilisé en dernier dans la messe là. Et nous dit en dernier parce que mais Missa veut dire envoyer. C'est ça qui fait que nous sommes capables toujours de que dans Messio, c'est Diacla qui, à la fin, parle de parole ça. Parole, côté que les voyez en mission. C'est Diacla qui toujours dit en dernier, et c'est ça qui met là. Mais avant, c'est que pour nous capables de comprendre l'Évangile, je vous dis, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson, nous dit que c'est une façon, côté que dans Matthieu, nous répéter même geste que Jésus t'a fait la jour jeudi la cette scène. Et Jésus t'a dit que faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire que
faire bagage qui doit faire tout le temps, chaque jour, en mémoire de moi. Mais si on a parlé de la messe elle est divisée en deux grandes parties. Deux grandes parties, les gagnants, ça n'aurait la liturgie de la parole et les gagnants, ça n'aurait la liturgie eucharistique. La liturgie de la parole, c'est tout ça que nous faisons entrer messe-là. Entrer messe-là, la liturgie de la parole et après ça, nous gagnons la liturgie eucharistique. Et comme moi disons que c'est à la fin que Père, le Père dit « Allez, à cœur content, allez dans la paix. » C'est cette partie seulement qui relève messe. C'est la dernière partie ça qui relève envoyé en mission. Envoyé, voyez-nous à le porter bonne nouvelle là. À le témoigner, à le faire partisan pour bon Dieu. C'est ça qui messe là. Et puisque messe lui-même est fini avec ses liturgies eucharistiques, non? Que lui-même, que nous relais, c'est le sommet de la messe. Et l'évangile, je vous dis, nous sommes au cœur de la messe. Cependant, nos frères séparés, ils n'ont pas gagné la messe parce que eux-mêmes, ils mettaient accent essentiellement sur la liturgie de la parole. Ils mettaient accent sur la prédication. Ils relaient encore annonce de la parole. C'est pour ça qu'ils parlaient de culte, ils n'ont pas parlé de messe. Nos frères séparés n'ont pas gagné messe, ils ont gagné culte parce que ils n'ont pas gagné deux grandes parties là-dedans. Ils ont gagné seulement une seule partie. C'est la liturgie de la parole. Ils ont gagné la prédication. C'est pour ça qu'ils ont gagné le service à culte. Ils n'ont pas gagné le messe. Ça veut dire que le service ça n'est pas complet. Ils n'ont pas gagné le sacrifice que Jésus t'a fait. Ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas fait ça Jésus m'a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire que cette partie, faites ceci en mémoire de moi, ils n'ont pas fait, ils ont seulement été dans la liturgie de la parole, ils ont seulement été dans la prédication ou annonce de la parole. Et c'est pourquoi notre travail est immense. Quand on nous envoie en mission, quand on nous dit d'aller en paix, c'est d'aller apporter la bonne nouvelle. C'est d'aller travailler pour la bonne nouvelle. C'est d'aller évangéliser. En latin, il dit « ite missa est ». Aller, c'est l'envoi. Ite missa est, je vous envoie, allez, je vous envoie en mission, je vous envoie pour apporter, pour partager la bonne nouvelle. Cependant, il y en a encore beaucoup qui sont aveugles. Il y en a encore beaucoup qui sont dans le noir. Et quand on parle de beaucoup qui sont aveugles, quand on parle de beaucoup qui sont dans le noir, alors que ils pensaient que ils connaissent, cela nous fait penser à Saul. Cela nous fait penser à Saül que nous gagnons la première lecture. Cela nous fait penser à Saül qui lui-même te pensait que lui connaît vérité. Cela nous fait penser à Saül, lui-même qui te comprend que l'étape travaille, que l'étape paye un bon travail. Lui te comprend l'allemand des lettres pour continuer le travail, pour arrêter, pour jeter en prison les chrétiens. Pas oublier, depuis l'événement d'Étienne, la mort d'Étienne,
nous songer Étienne, nous songer toute radio qui était déposée dans le sol. Sol des témoins comment il a tué Étienne. Et c'était la persécution contre les chrétiens. Et Sol était en tête, c'était un dans monde qui zélé, qui gagne un amour zélé pour capable à persécuter les chrétiens. Yo. C'est ça que nous voyons. Et c'est peut-être ça nous dit que quand nous dit que yon moun li aveugle, quand nous dit yon moun li nan noir, ça nous fait penser à la première lecture d'aujourd'hui. Saul, il était aveugle. Saul, il était nan fait noir. Et c'est ça que nous voyons dans la première lecture. Nan. Alors que Saul a demandé l'aide pour le capable pendant que lui prallait Damas, il pas voulait aller Damas comme ça, l'aller côté grand prêtre pour capable bailler une lettre pour la continuer à arrêter chrétien pour le capable jeter un traîner yo mener en prison. Et c'est à ce moment sur la route de Damas que Saint Paul apôtre li pral fè sa nou rele sa ki pral rive la la conversion de Saint Paul. Il sera frappé d'une lumière et il va entendre la voix du Seigneur. Saul, Saul, pourquoi me persécuter? Et c'est qui est-ce qu'on y est, c'est ça? Saul m'a dit, qui es-tu, Seigneur? À ce moment même, Saul déjà reconnaît cette voix, cette lumière n'est pas la voix de n'importe qui. Cette lumière ne provient pas de n'importe qui. À ce moment même, Saul identifié, a reconnu la voix du Seigneur. Et Jésus lui-même bradit, eh bien, c'est cela que vous avez persécuté. C'est lui-même, c'est voix ça que vous entendez. Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Je suis Jésus. C'est là que vous avez persécuté. Levez. Levez, relève-toi. Allez dans la ville. Et là, il y a Vado qui ça pour capable faire. Ce message aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est un message pour tous ceux-là qui, jusqu'à maintenant, sont aveugles. Sont dans le noir. Paul était aveugle depuis longtemps, mais il n'est pas reconnaître qu'il était aveugle. Mais au moment où la lumière venue du Christ, le Christ, la voix du Seigneur, frappe-le, il reconnaît qu'il est aveugle et cette cécité, il peut demeurer en Paul et le faire. Au besoin yon moun ki pou accompagner yo. Mwen te di nou hier que ou pas capable, Jésus te dit que personne ne peut venir à moi si mon père ne l'attire. Mwen te ban nou définition mot attirer qui te hel koulo, qui te vle di traîner. Et bien cette fois-ci, c'est Jésus lui-même qui est venu traîner. Seul, traîner, retirer, tirer vers lui-même. C'est Jésus lui-même qui est venu traîner et attirer Saul vers lui-même. C'est Jésus lui-même qui est venu retirer Saul dans la situation de fait noir que il était là-dedans. La situation d'ignorance que il est là-dedans. La messe qui voyez-nous chaque jour en mission, IT MISA S,
peine notre travail chaque jour d'aller éclairer tout sol qui gagne aujourd'hui. Il ne faut pas croire qu'il n'existe pas de sol. Il ne faut pas croire que parce que quelqu'un se dit pasteur, parce que quelqu'un se dit prédicateur, pour penser qu'il n'est pas dans le noir, qu'il n'est pas aveugle. Il y a tous des sols que vous avez. Il y a toute une situation de cécité. Il y a tout le besoin d'un accompagnement parce que vous êtes aveugle. Il y a besoin d'un parrain, il y a besoin des gens qui pour prendre, pour accompagner, pour mener dans la lumière. Non? Et pour arriver à ce moment de lumière, pour arriver à cette conversion totale, Paul, le yo fin pramel, yo fait aller côté que Jésus te dit pour l'aller. Hein? Paul pral entrer en état de prière. Prière pendant 3 jours. Et cet état de prière pral fait que il vient entrer en jeûne, comme moi toujours dis nous. Ce n'est pas le jeûne qui vient avant, mais c'est la prière qui vient avant le jeûne. Cette situation de prière qui pral fait que Paul était sans manger pendant 3 jours. Sans manger pendant 3 jours parce que Paul est en train de prier. Paul est en train de demander pardon pour tout le monde que les la cause que les qui mourit. Commencez par Étienne que la cause qui mourit. Paul en état de prière pour demander pardon pour tous ceux que il était jeté en prison. Paul a demandé pardon. Parce que l'été n'en fait noir, l'été pensé que l'été a fait un bon travail. Paul reconnaît que l'été n'en mauvais bois. Paul en état de prière, et cet état de prière conduit au jeûne, c'est ça que Paul était sans manger. La prière conduit au jeûne. Et c'est à ce moment-là que comme on te dit, nous, dans un seul acte de Jésus, c'est toujours un plongaillé que l'il est. Un seul geste de Jésus, c'est comme si il résout plusieurs bagages à la fois. À travers l'acte de la conversion de Paul, il y a tout cela qui était avec Paul, qui avait entendu la voix eux-mêmes, ils étaient dans des voix. Yo même tout yo pa wè moun nan, mais yo tande vwa. Yo même yo déjà converti, yo déjà changé, déjà en l'autre monde. Il y a la conversion également côté que en même temps que Anani que bon Dieu a voyé en mission pour aller imposer la main sur Paul. Et Paul aussi est en train de recevoir le même message. Paul recevoir message que yon moun pral vini pour capable faire imposition des mains pour lui-même et Anani à même moment recevoir même message là. Et Anani pral dit bon Dieu mais Saul c'est yon moun qui vini pour persécuter. C'est mission ça même il t'a demandé l'aide. Permission pour le capable de persécuter chrétien. Mais Anani oublie que Jésus, que Dieu, c'est un Dieu de miséricorde que lui est. C'est un Dieu de compassion que lui est. C'est un Dieu qui donne la grâce que lui est. C'est un Dieu qui veut racheter les pécheurs que lui est. C'est un Dieu qui ne souhaite pas la mort du méchant, mais la conversion du méchant. C'est ce Dieu-là qui se manifeste avec l'acte de Saul. Saul qui est un persécuteur, Saul qui a jeté mon en prison, Saul qui la cause mon mourir, Saul qui a marché à le faire ça pas bon, Saul qui n'a fait noir, Saul qui aveugle, Dieu, Jésus,
est venu racheter Paul. Et ces trois jours, c'est comme ça fait nous penser à trois jours que Jésus lui-même était passé dans ton bois, côté il était descendu aux enfers, côté que il a racheté les âmes dans l'enfer. Et bien, c'est trois jours Paul ça a passé. Trois jours de prière, trois jours de jeûne. Et au troisième jour, le Christ est ressuscité. La lumière est venue. Et c'est ça que tu vois, c'est que Jésus tout blanc. Et bien, au troisième jour, Ananie est venu imposer la main sur Paul. Et la lumière est revenue pour Paul. Paul, maintenant, n'est plus aveugle. Et tout ça qui était dans les yeux, c'est comme des cales de poisson. C'est tout ça, yo. Qui? Toute méchanceté, yo, cap tombé. C'est notre mission comme baptisé d'obéir à la messe qui nous dit ite, missa est, allez faire l'envoi, allez en mission, allez apporter la bonne nouvelle. Ananie obéit à l'ordre du Seigneur et impose la main sur Paul, et Paul maintenant est devenu un autre homme. Paul sera l'instrument que le Seigneur a choisi pour faire parvenir son nom auprès des nations, auprès des rois, auprès des fils d'Israël. Celui-là qui était le persécuteur, maintenant est devenu l'évangélisateur. Celui-là qui jetait en prison est maintenant celui-là qui va libérer des prisons. Celui-là qui a assisté passivement sans faire rien pour leur capturer Étienne, c'est celui-là qui va agir pour sauver les âmes. Et c'est pourquoi Saint Paul apôtre, maintenant, il n'est pas seul encore, il y a l'autre monde, il est Paul, il change nom. La conversion nous fait changer en tout. Tout bagaille vient neuf dans nous-mêmes, nous refait. Et c'est ça que Jésus t'a dit Nicodème, naître de nouveau. Seul, naître de nouveau, il est Paul, il est devenu un autre homme. Il vient rempli d'Esprit Saint. Parce que quand Jésus nous touche, quand Jésus nous parle, quand la lumière de Jésus nous frappe, on n'est plus la même personne. Paul est devenu une autre personne. Active, disposée et disponible pour travailler pour Jésus, pour faire partisan pour Jésus. Et c'est celui-là même, Jésus t'a dit, Ananie, que moi pas utilisé comme instrument pour faire parvenir mon nom auprès des nations. Et effectivement, Saint Paul a fait parvenir le nom de Jésus-Christ parmi les nations, parmi les rois et parmi les fils d'Israël. Et dans la Bible du Nouveau Testament, Saint Paul a laissé plus de livres. Eh bien, mes frères et sœurs, c'est notre travail aujourd'hui comme baptisés, d'aller en mission, comme baptisés de vivre la messe parce que on a besoin de cette force que nous donne la messe. On a besoin de la présence réelle de Jésus en nous-mêmes. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, remarquez avec quelle incertitude l'autre campé pour dire qu'on s'accueille. Comment s'il est capable de faire dire que la banne nous colle pour nous manger? Comment il est capable de faire dire que la banne nous sent pour nous capable boire? Ne soyez pas comme ces pharisiens, mes frères et sœurs, parce que le corps de Jésus que nous mangeons,
fait réellement la chair de Jésus. Et le vin fait le sang de Jésus. Et ces actions-là, nous croyons par la foi, mes frères et sœurs. Et c'est la foi qui nous fait croire. C'est la foi qui peut le faire que nous allons faire union avec Jésus. Et comme on dit union, cela nous fait penser, ça nous relie à communion. La communion, non là maintenant, c'est une partie côté que nous pouvons faire seul avec Jésus. Il faut nous capables de comprendre le terme. Quand nous finissons participer dans le sacrifice de la messe, nous relions le sacrifice, c'est-à-dire que dans le moment consécration, côté que Père, avec cérémonie, la présider sacrifice de la messe. Et là, nous parlons de sacrifice, non? Nous sommes capables de tout expliquer, non? Que dans le moment sacrifice, non? Nous sommes capables de l'utiliser en sensoir, non? Et que la fumée qui a monté, c'est un signe pour montrer, nous, le temps qu'on a fait sacrifice bête longtemps, le temps qu'on a tué bête longtemps, c'est gagné la fumée qui était qu'on a monté pendant que bête là a mouru. Et c'est ça que ensemble dit. Ensemble dit que c'est le sacrifice que Jésus fait pour nous. Et par ce sacrifice, cela nous rappelle bêtement que c'est qu'on a sacrifié. Et pendant que bête là a sacrifié, c'est non bête là qui a monté. Et bien, pendant le sacrifice de la messe, quand il y a un sang, la fumée qui a monté, c'est notre âme, c'est non à nous cap monter à joindre bon Dieu. Et c'est le moment d'offrir notre âme à Dieu parce que au dernier jour, c'est même nous qui allons le juger. Et c'est pourquoi le nous est que y a fait un sensoir, non? Nous voilà fumée à monter. Nous pas devoir être perdu. Nous devons participer là-dedans pour offrir notre âme à Dieu dans le sacrifice que Jésus a fait pour nous-mêmes pour être capable de racheter nos frères avec Seigneur. C'est pourquoi il y a le sacrifice de la messe. Et c'est peut-être ça tout. Le nous arrivons dans un moment communion. Hein? C'est ça que l'évangile que je dis. Hein? Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Nous croyons fermement par la foi que pain ça que nous pral manger, c'est corps Jésus qui sacrifié. Et que du vin que nous pral boire, c'est le sang de Jésus qui est sacrifié. Et quand nous recevons, au moment de recevoir le pain, même quand on recevons ou dit Amen, c'est ce moment-là qui s'appelle communion. Communion, côté que nous pral faisons seul avec Jésus, nous pouvons faire seul avec lui-même. Et le ça, nous pouvons faire en sorte que leur Jésus habite dans nous-mêmes, il demeure en nous-mêmes, et nous-mêmes, nous venons demeurer en Jésus. Il y a ce mouvement de va-et-vient qui fait entre nous-mêmes avec Jésus à travers son corps et son sang, et la communion qui vient unité, nous vient unité avec Jésus, et par ainsi, nous sommes prêts pour aller en mission, comme Saint Paul apporte la mission d'aller évangéliser, d'aller apporter la bonne nouvelle, et c'est ce qu'on appelle la messe. Et c'est pourquoi nous sommes invités à participer à la messe chaque jour, et chaque dimanche, il y aurait l'île, il y a une petite Pâque, parce que chaque dimanche, c'est une Pâque liée, chaque dimanche, c'est une fête que les liées, et aujourd'hui, à partir de l'enseignement que nous avons sur Saint Jean, chapitre 6, versets 52 à 59, c'est une invitation pour nous toutes, pour nous capables de participer dans l'exercice sacrifice de la messe qui fait chaque jour et laisse à nous-mêmes, nous avons gagné Jésus qui habitait dans nous-mêmes, nous avons habité hier, jeudi, demain et pour tout le temps guettant. Amen. Thank you.
vive parole là, pour nous faire travailler comme être la Dieu. Besoin qu'on prenne parole là, besoin pour nous vive parole là, pour nous faire travailler comme être la Dieu. Comme être, pas nous l'esprit ou là. L'esprit, on te prend des bails à potio. Joue la bonne côte là. On fait parole la mâche et puis devant des souhaits. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, dit le Seigneur. Moun ki manje kom, ki bwe sam, yap fè yon avèk mwen, epi map fè yon avè yon tou. Nou touve sa nan Jean 6, verset 56. Fwè mak sem yo, zanmi transfigurasyon yo, nou tout ki leve, ki vivan, nan jou vendredi 19 avril sa. Fwa nou di bon Dieu merci. Merci parce que c'est pas parce que nous voulons qui fait nous lever. C'est pas parce que nous gros nèg. Ou bien c'est parce qu'on pas de jambe dormi. Même pour jour te rete clair qu'il faut relever. Mais c'est une grâce que grand maître l'a fait nous. C'est une grâce que l'il fait nous parce que nous réveillés. Parce que nous vivants. Parce que nous là. Que ou voulez que ou pas voulez, c'est grâce à lui. Qui fait ni ou même ni moi-même nous là matin ça et c'est une preuve pour montrer nous que nous pas mettre tête nous parce que c'est pas parce que vous voulez qui fait vous réveiller c'est pas parce que vous voulez qu'il faut là mais c'est grâce à grand maître là. Faut nous dire merci pour ça. Ou pas capable de dire merci. Parce que Jean ou même, Jean moi-même, nous sensibles. Les monde pas dit nous merci. Nous voulons chaque jour, chaque temps, même le sort est fin fait pour monde. Ça a gagné des années. Ou ta remè chaque temps le roi pour le dire merci. Et puis nous-mêmes, pour chaque jour nous coucher, nous lever, nous pas vle dire grand maître la merci. Pour nous pas dire merci pour ça. Grand maître nous pas capable dire merci. Nous dire merci pour chaque seconde dans la vie nous. Pour chaque minute où tu es contrôlé pour nous, nous disons merci pour ça. Parce que si nous avons respiré, grand maître, c'est grâce à vous. Nous ne sommes pas capables de dire merci. Faut nous dire merci. Si nous sortons, nous rentrons, c'est grâce à vous. Faut nous dire merci. Si nous avons travail, c'est grâce à vous. Faut nous dire merci, grand-mère. Nous remettons grand-mère tout si là au matin ça. Si là qui déjà levé qui en route pour travail. Gen qui déjà déplacé, gen qui poko déplacé. Tout si la yo ki gen pou fè yon déplacement jounen jodi a. Kap voyaje ki gen pou pran camion, pran avion. Sa kap pran bateau,
ça qui dans voiture, ça qui à moto. T'en prie, grand maître, accompagne pour nous. Accompagne tout si là yo, grand maître, kap fè yon déplacement, kap pralé yon côté très loin. Nous remettons yo, grand maître. Mais jeune nous yo, oui, Jésus. Mais jeune nous yo, grand maître. Nous pas jamais bouquer mander au pardon pour yo Jésus. Pardon pour tout jeune nous yo grand maître qui a fait cou yo raide. Qui a fait tête yo dur. Qui pas voulait tendre parole ou a. Qui pas voulait comprendre parole ou a. Nous pas jamais bouquer mander au pardon pour yo grand maître. Tout si la yo kap fait en coué sol pendant le te sou route Damas la. Jeune si la yo jounen jodi an Jésus. Ki pran poz sol yo. Ki pa vle tande pale de ou. Tan pou yi grand maître. Voye lumière là pour yo. Lumière ça qui t'est frappé sol sous route là. Voye lumière ça frappé yo pour yo capable voir clair. Ou avoyon Ananias pour nettoyer je yo. Pour yo capable comprendre nous Jésus. Pour yo wè l'amour qu'on gen pour yo, c'est pontil l'amour que lié Jésus. T'en prie, grand maître, touche yo pour nous. Touche tout jeune sa yo, Jésus. Kap fè kou yo red, kap fè tête yo dur. Touche yo, grand maître. Pendant que nap continue béni non, Jésus. Nap continue béni non nan tout jeune kap cherche comprendre nous. Nan tout jeune kap cherche comprendre parole la. Tout jeune qui voulait mettre yo en communion ensemble avec ou. Nous bénissons Jésus dans yo même. Nous bénissons Jésus dans chaque jeune qui journée jodi a tendé appel ou qui senti que yo gagne une vocation pour yo marcher dans route ou accompagne yo pour nous. Conduis yo pour nous Seigneur. Jeunes qui gen vocation pour y aller dans séminaire. Jeunes qui tendent appel ou qui te n'ap marché dans l'autre l'église qui casse tête tourner vinn join nous dans l'église Jésus-Christ là. Nous disons merci pour yo Jésus. N'ap continue béni non Jésus. Nan non tout jeune qui journée jodi a di yo accepté yo décidé pour yo capable recevoir la communion yo accepté yo décidé pour yo capable confirmer nous disons merci pour ça Jésus et nous mandons au Seigneur pour ban nous plus force dans travail là. Pour pas ban nous place Jésus pour nous décourager parce qu'on montre nous que travail là il pas facile mais ni ou pas laguer nous ou montre nous que fruit travail là Jésus que c'est un bon travail que lié nous disons merci pour ça. Nous disons merci Jésus. Merci pour le travail que nous avons fait Jésus. Travail que nous avons fait. Nous disons merci pour kembe que nous avons kembe nous dans le chemin. Merci pour marcher que nous avons marché ensemble avec
nous. Merci pour couvrir que vous avez couvert nous. Nous pas bouquer dire merci Jésus pour petit nous. Pour petit nous qu'on racheté Jésus, qu'on retiré dans accident que le tayé Jésus. Nous bénissons Seigneur. Nous dit alléluia pour Jésus. Nous dit que nous bénis Seigneur. Louange à compliment pour Jésus. C'est vous qui baillez bien Jésus. C'est vous qui ba nous tout ça que nous gagnons. Même là, yo perdu, ça pas vle dire rien. C'est vous qui te ba nous à continuer ba nous Jésus. C'est ça que fait même dans moment difficulté au Jésus, nous continuer à bénir nous pour nous dire merci. Parce que nous gagnons la vie. Merci parce qu'on racheté nous, Jésus. Ou racheté ti moun nous dans l'accident que yon te yé. Ou fait yon sorti sans yon ti égratignure. Nous bénissons, oui, Seigneur. Nous fait louange à compliment pour oui, Jésus. Pour nous dire merci pour ça, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour semaine travail, non. Merci pour week-end, nous, Jésus. Nous remettons week-end Timoun, yo. Nous remettons week-end pas, nous, Jésus. N'importe ça que nous rencontrons pour week-end, que volonté au fait, Jésus. N'importe contrariété que lié, Jésus, nous pas besoin qu'on ait, mais c'est volonté pas au cap fait, Jésus. Nous bénissons pour ça, Jésus. Nous disons merci. Merci pour remè ko remè nous. Merci pour marcher que vous continuez à marcher ensemble avec nous. Merci pour l'amour dans cœur Jésus qui continue à déborder, qui continue à déverser pour nous-mêmes. Nous disons merci Jésus. Merci pour ça qu'on t'a fait pour nous hier. Merci pour ça qu'on t'a fait pour nous depuis le jour que nous t'a fait. Merci pour ça que vous avez fait pour nous dans le moment actuel. Et merci pour ça que vous avez continué à faire pour nous. Nous bénissons par pouvoir Jésus-Christ, lui-même qui vivant, qui a commandé depuis tout temps et pour tout temps. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Cœur sacré de Jésus, que votre oreille arrive. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Nous dit tout le monde merci pour écouter. Merci d'être côté branché ensemble avec nous, mais pas oublier. Message que nous avons pour nous-mêmes, nous toutes qui habitués avec Radio Transfiguration, nous connaissons que chaque mois nous avons rendez-vous avec groupe laïque engagé pour 1000 AV. Rendez-vous nous pour mois avril, c'est pour lundi 22 avril dans Assoué, dans 7 heures du soir. Nous avons rendez-vous avec le groupe laïque engagé à 7 h lundi 22 avril à 7 h dans la soirée
pour me laver. C'est un rendez-vous à ne pas rater. Parce que c'est dépôt que nous pouvons faire dans la banque l'Éternel. Nous disons toutes merci et que nous remettons en pile. Bonne journée, bon week-end à nous toutes et à nos chers. Bye.